Bonjour à tous et re-bienvenue sur For Honor. Nous étions arrêtés à la mission 4 des chevaliers. Du coup, nous allons continuer ça. Cette mission va nous faire intervenir un nouveau personnage. Déjà, comme vous pouvez le voir, je l'ai déjà terminé. C'est un bug de Explict qui me fait tout recommencer. Donc voilà. Donc, nous allons commencer. Donc voilà, ça va être Holden Cross qu'on va jouer. C'est un émissaire. Ce qui est pourri comme nom, parce qu'en anglais c'est quand même celui qui apporte la justice. De toute façon, je vous mettrai le petit résumé après ça. On va rester comme ça, égratignure, tout ça, pour éviter de s'en prendre plein la gueule. Allez hop. Et du coup, nous allons continuer sur cette mission avec un autre personnage. Là, vous inquiétez pas, la sentinelle sera toujours à côté. C'est plus moi qui vais la jouer, mais elle sera toujours là quand même. Elle fera une petite aide, on va dire, une aide secondaire. C'est déjà mieux que rien. Where order has broken down. Where cruelty and lawlessness rule. Lawbringers are justice. They go wherever they are needed, and they come prepared. Their armor has no equal. Its construction, a secret of their order. And they carry the most versatile weapon ever invented. The poleaxe. Pray that you do not need them. When they arrive, pray that you have done no wrong. Donc là, nous partons directement au pied des falaises tabasser des Vikings chez eux. La neige tombait déjà sur Valkenheim. Mais nous avancions quand même. Là, pousse-toi. Eh, toi, je t'ai vu, là. Oh, hein. Alors. Je suis... Holden Cross. Voilà, donc c'est un beau gosse. En tant que commandant de l'avant-garde, c'était un peu d'ouvrir la marche. Un peu de base. Alors, vous allez voir, ses capacités à lui, en fait, c'est l'empalement. Oh, les petits pignoufs là. Précisément, bon, ce voilà, ça c'est fait. Est-ce que ça va marcher? Voilà. Ah. Aïe. Non, arrête tes conneries, je veux faire ça. Voilà. Ah, j'aime pas ces yards là. Ils sont chiants ces persos. Eh, hey, descends toi. Je te rejoins. Aïe, oh. D'où tu me tapes? Ouais, on se met déjà un petit peu de santé. Heureusement que j'ai un sort pour me remettre de du heal parce que... En fait, comme je vous l'ai expliqué dans la dernière vidéo, en réaliste, on n'a pas le système de blocage aidé. Ça veut dire que normalement, il y a un petit bouclier qui nous indique où la personne va attaquer, où tu te protèges. Tiens. Ad mortem invictus. Ah, arrête de me taper. T'es mon allié normalement, madame. Tiens, coup de poing dans la bouche. Donc là, c'est tout simple, c'est de la balade. Enfin, on lance une attaque sur eux. Ah. Partout où nous allons, la vie paisible qu'on appelle civilisation se dissout. Un frêle contrat social qui peut disparaître du jour au lendemain. Si fragile. Bon, on laisse les trois archers. YOLO! Ah merde! Arrête de taper mes copains, toi. Il faut que j'aille là. Dans la gueule à mon pote, il est là pour ça. Bon, tu me fais chier. Viens là. Sac à merde. Tiens. Et tiens.
Ça, c'est la plus belle des exécutions, je trouve. Tiens, relève-toi, bâtard. Et on se la pète, toujours. Toujours se la pète. L'entrée de Valkenheim. L'entrée de Valkenheim. Whoop, 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 whoop. Ah, nous attaquent un coup de catapulte, ces bâtards. En avant. Oui, donc ça, c'est pour vous aider à faire les parades parfaites. Mais là, je me casse même pas la tête à faire les parades parfaites. Tu fais ça, et hop, c'est bon. Pour ça, ce perso, je le kiffe, parce qu'il est fait pour jeter dans les trous. Mais facilement. Ah, plus de retour possible. Les sauvages. Il fallait réduire ces catapultes au silence. Oh. Oh, t'as un PQ, tu me fais pas chier. Voilà. Les vikings ont truffé monts et vaux de corps, de tambours. Ça c'est une grenade, je préfère mon item. Nous n'avions aucune chance de pénétrer discrètement à Valkenheim. Alors autant faire une entrée remarquée. C'était tout sauf un bon plan. Mais je n'avais guère le choix. Non. Ah bah tiens, tu t'es noyé tout seul comme un con. Ça c'était bravo les veaux. Ah, il y en a encore le un là. Le cataclysme était non pas un, mais plusieurs événements. La terre se soulevait et retombait. Je dois détruire cette catapulte. Ya, ça marche pas là. Sur les ordi, ça marche rarement en fait. Sur les gens, ça c'est souvent que ça passe. D'accord. Tu vois ça? Protège-toi. Ah merde! Pas assez loin, tiens, on le refait. Youlou! Ah ouais? Ah ouais, petite merde! Ah ouais! Tiens! Et tiens! Et puis tiens, reprends ça dans la gueule! Et re ça! Et re ça! Et puis ça! Et tiens! Je te pique les couilles, moi! Sans respect! D'accord, non, ça c'est les pots que tu montres. C'est un peu con. Oui, par contre, il a pas de combo face au petit mob. Il fait que des trucs comme ça. Il les jette derrière comme des sacs à merde. Faut péter les catapultes. Y a rien à dire quand même. Il est classe ce perso. Je préfère ma sentinelle parce que bah, c'est un coup de cœur. C'est mon perso, le perso avec lequel je joue sur le multijoueur, mais bon, lui, c'est un perso que j'aimerais m'améliorer avec, en fait. Arc. Laisse-moi passer, connard. Ça va casser. Tiens. Je te tabasse, moi. Non, j'ai dit non. Et tiens, je te repique la bite parce que j'ai aucun respect pour toi aussi. Voilà. Non mais oh. Prends pour qui là? Alors ça c'est un item qui permet de baisser l'endurance de la cible. Je préfère avoir le truc qui les fait tomber en fait. Brice. Ça redit qu'il faut faire des comment ça s'appelle, des parades parfaites. Leur taille. Calme-moi celle-là, tiens. Aïe. Aïe, aïe, j'ai loupé. Tiens, ça, je l'ai pas loupé, ça. Mais par contre, je crois qu'on peut pas le choper, lui. À part en faisant ça. Ah, merde. Arrête de me dribbler. Voilà. Bon, tu vas te laisser taper, oui. Bah attends, déjà je vais m'occuper de ton truc, ça se trouve il va même pas m'attaquer en attendant. Tranquille, tranquille. Normal. Non mais c'est gentil hein, t'es poli au moins. Pour un barbare t'es très poli. Ah d'accord, il attendait que je le frappe. Oh culé. Avec une armure comme ça, si tu tombes, comment ça doit piquer.
Attends, attends, moi je mets l'une de la glace, hein, t'es gentil. Bah, je crois que tu vas tomber tout seul, comme un bon vieux blaireau. Voilà. Je dois retrouver mon avocat. Ah, quel abruti. Ah, quel abruti ce mob. Ah là là. Donc, je dois retrouver mon avant-garde, donc faut partir par là-bas. Oh, toi, t'es bien calé, toi. Oh, que t'es bien calé. Allez, dégagez. Dans une flotte à moins 50, vas-y. Essaye de ressortir de là-dedans. Nous étions prêts pour la suite. Apollyon ? Aurais-je dû confier cet assaut à ta sentinelle ? Avance. Je veux savoir ce que tu dis. Je suis Apollyon. Voilà. J'étais sentinelle autrefois. Je suis bien plus que cela maintenant. Je suis le huitième seigneur qui n'est pas plein. Ah putain, ça a coupé le lore. Je peux y aller à pied. Ouvrez le pont s'il vous plaît. Hein. Valkenheim, terre des envahisseurs qui se font appeler vikings. Voilà 40 ans qu'aucun chevalier n'avait osé pénétrer dans cette grande vallée. En avant. Notre avenir. Les vikings avaient le nombre. Ça coupe à chaque fois, c'est chiant ça. La technologie. YOLO. YOLO. Allez, allez, dégagez. Moi je vous jette comme des sacs à merde, dégage. Voilà. Au suivant. Qui n'en veut? RT, RB, RT. D'accord. Il faut que je trouve les commandes du pont. Bon, lui il a pas eu besoin. Ah oui, les boss combo. Mais je préfère lui quand même. Qu'est-ce que tu dis monsieur? J'ai pas compris. Oula Mahadim. Tiens. 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 Mange ma hache. Petite bite. En avant. Alors, alors, alors. Baissez le pont-levis. Mais je veux taper des gens. Lui là. Dans les flammes. Va au bûcher. Va au bûcher. Non, c'est lui que je veux, moi. Voilà. J'aurais même pas eu besoin de me healer pendant cette partie. Non, t'es sérieux? Voilà, dégage. Ah. Ah, c'était méchant, ça. C'était méchant. Tu vas payer de ta vie, mec. Voilà, ça... Faut pas taper les gens dans le dos. Si t'as un peu de respect pour les combattants, tu fais du face-à-face. Allez, ouvre le pont. Vous voyez ma petite sentinelle qui est à droite? Ah là, y'a rien à dire. Badass. Badass comme elle rentre. Nous avions trop peu d'hommes pour nous encombrer de captifs. L'armure rouge, c'est qu'il a dû couper de la tronche à en série là. Hein? Que voulez-vous, dame? Madame, ce monstre a tué au moins 40 soldats. Y compris Davis.
Sais-tu comment c'est un bon combattant. Le prédateur de la proie? Impossible, bien sûr. À moins de les voir combattre. Ah ouais, lui c'est un prédateur, y a pas à chier. 40 soldats, c'est que c'est un bon taffeur quand même. Et... il découpe de la tête en série, le mec. Bienvenue dans la Légion d'Obsidienne. Bravo. Ah, c'est sûr que c'est un vrai chef je de guerre. Je pensais que ces lois de la sélection ne s'appliquaient qu'à nous. Ah mais au moins c'est un vrai chef de guerre. Elle reconnaît les bons combattants. Ah, bah, elle est en train de se faire une armée, mon gars. Qu'avec les plus gros porcinekia en fait. Hop hop, bon ben on va faire une deuxième mission derrière, écoutez. Elle a pas été très longue celle-là, donc ça devrait le faire. Et la prochaine, j'espère ne pas mourir. Je vous mettrai aussi la vidéo d'intro parce que on va jouer encore un autre perso. On va jouer Mercy, l'assassine. Elle est. C'est des persos qui sont assez balèzes, qui sont vraiment très très chiants. Mais faut savoir les manier. Et ça c'est pas du tout un perso que je sais manier. C'est un perso qui est censé faire beaucoup dans le saignement en fait. When wars end, it is the silent blade that keeps the peace. But when wars rage, a peacekeeper's work is never done. Quick. Lethal. They can win a fight before their enemy even knows they are there. Dancers of death, with dual blades for dancing partners. Selected from the desperate, the humbled, or the devoted. Sworn to secrecy by unbreakable oaths. What they know can destroy legends. Or create them. Notre armée devait passer. Ceux de la Grande Horde savent être inventifs quand il le faut. Assassin's Creed. Là, ça fait vraiment Assassin's Creed en plus, hein. Elle est belle, elle est belle. Alors, et oui, les postures. Les postures ne restent pas bloquées par rapport aux autres persos. Ça veut dire que pour mettre un coup dans un certain angle, il va falloir que je le bouge, tout ça. Et ça, c'est un truc à prendre le coup, en fait. Bon. Toi, tu vas m'entraîner, toi. Mais il y a un truc en plus à savoir sur eux, c'est ça. Ah, et encore, j'ai foiré, là. Ah, merde. Vas-y, vas-y. Merde, j'ai encore foiré. Aïe, aïe. Oh là là. Voilà, ça, c'est un coup de saignement, ça. Il va se vider de son sang. On peut passer à l'autre. Ah, peut-être pas, c'est... ah, si. Et ça c'est le coup timé, faut mettre 3 coups mais pas sans mâcher la touche en fait. Hop. Dégage. Minable. Les tribus vikings ont toutes des coutumes différentes. Ces offrandes de la Grande Horde devaient sans doute leur prêter force au combat. Eh ben pas assez. Pas assez, parce que là je leur roule dessus. Holden n'aurait jamais dû envoyer ses éclaireurs quand il aurait pu me dépêcher. Apollyon m'avait chargé de... voilà, ça a encore route. Coupé le truc, ça c'est ce que j'ai fait, bien sûr. Aïe. Et là vous voyez les trois barres rouges que je lui ai enlevées, c'est que du saignement, c'est un perso qui est tellement bâtard pour ça. Ah merde. Ah
Alors ça, c'est le mode vengeance, c'est le Super Saiyan, comme vous avez pu le voir dans la... dans une des autres vidéos. Merci de me regarder découper ta copie. Voilà, à dégager. Les assassins sont vraiment des persos très bourrins. Ça je peux pas dire le contraire en fait. Y'a rien par là. Ces vikings manquent de vigilance. Oups la merde, j'ai foiré mon truc. Du coup, il y a une attaque. Normalement, il y a une attaque gratuite après chaque grosse attaque réussie. Aïe. Attends, déjà, déconnez pas. Ah, c'est ça. C'est ça, d'accord. Ça, je savais pas, vous voyez. J'en avais entendu parler, mais j'avais jamais testé, vu que je le prends jamais, ce perso. Ah, mais non, voilà, tu me laisses l'achever, et après on peut parler, madame. Aïe. Tiens, je te poignarde, moi, je te surincombe en prison. T'aimes ça? T'aimes ça? T'en veux, hein? Ah merde. Aïe. Aïe. Vas-y, attaque-moi. Merde. J'aurais dû attendre qu'elle m'attaque pour faire ça. Mais bon, ça marche quand même. Une bonne mort de guerrier. Ils avaient amarré leur bateau ici. Il y avait donc un chemin vers le sommet, j'en étais sûr. Qu'est-ce que c'est ça? Attaque vengeance. Les attaques remplissent plus vite la jauge de vengeance. Le nuage du volcan fait dépérir cet endroit. Il y a des gens là. Il y a des gens. Attention. Attaque surprise. Hop là. Aïe. Oui, oui, oui. Et merde, je suis bloqué dans un angle. Aïe. Aïe. Normalement l'autre il va mourir en plus. On peut spammer ça hein, en multijoueur, hein, ça marche hein. Généralement les gens se laissent faire. Ah ouais? Ah ouais? T'es sûr de vouloir jouer à ça avec moi? Bien. Ah. Un barbare qui est moins con que les autres quand même. Mais pas assez malin quand même. Soit je te tue, soit tu te saignes. Voilà, bah tu saignes à mort. Mais c'est un assassin qui a quand même la classe. Parce que... voilà, comme elle dit, vive pour servir, vive pour servir. C'est... Elle est loyale. Elle a de l'honneur au moins. J'y suis presque. Chut, j'y suis presque, pas de bruit, y'a personne. S'il y a quelqu'un, y'a quelqu'un qui m'a vu. Il s'y approche. Dégage. Tu vas rejoindre ton pote. Ah merde, il est pas mort l'autre. Oh, c'est de la tricherie de venir me taper pendant que je m'occupe de ton pote là. Il est pas encore mort? Ah, tu fais chier hein. Tu me fais chier à pas vouloir m'ouvrir. Ah, voilà, je suis fatigué, faut pas attaquer quand t'es fatigué. Tiens, poignardage de bite. Toujours aussi beau ici. Tiens. Fallait mourir plus tôt, enfoiré. On va passer par en haut.
Ouais, enfin, infiltration, c'est pas trop ça ici. Ah, tu me saoules. Merde, là vous voyez, j'ai mâché, ça n'a pas fonctionné. 1, 2, 3. Voilà. Allez, tape-moi, tape-moi. Voilà. Quand on a la vengeance et qu'on se fait taper, la personne se retrouve automatiquement à terre. Et au passage, voilà, en manque niveau endurance, ça se vide jamais en fait. Vous pouvez spammer les attaques comme un gros bâtard. Bah, c'est pas bon. D'accord, faut monter. Un peu de soin quand même, ça fait pas de mal. Qu'est-ce que ça dit toi? Comment t'as traité ma mère? Aïe. Égaré. Dommage. Aïe. Alors viens barbare. Arg. Super Saiyan. Que la puissance vienne. Oula oula. Merde. J'essaie de faire un truc depuis tout à l'heure mais ça marche pas hein. J'y arrive pas. 1, merde. Ne laisse pas faire. 1, 2. Voilà. Et après tu le dégages. Voilà, ça c'est un autre truc qu'on peut faire avec. Tiens. C'est une bonne idée de te mettre à côté du trou toi. Tiens. Capoir là. Passer par la porte ici. Pour un assassin, la porte c'est pas top. Comme quoi. Nous, la plupart des. Super, coupe-moi les trucs quoi. Chut, madame. Ah merde. Il y avait plus de films ici. Merde. Oh, mille temps. Père. Ta tête. Et toi là. Voilà, dégage. Espèce de boulève. Alors, y a rien par là. Ça donne une vue au moins sur la cible. D'accord. Vue baiser quoi. Allez, on y va. Pour l'auteur. Tiens, mange l'arbre. Non, ah, t'as réussi à esquiver l'arbre. Merde. Oh, 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 oh. C'était pas calculé ça, hein, je vous le dis. Et je passe à travers les arbres pour taper quand même. Ça respecte ou pas quoi. Le nuage du volcan fait dépérir cet endroit. Oh, 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 oh. Le coup de hache qui passait pas loin. Ah, j'ai foiré mon troisième coup. Ouais, je commence à savoir la manier petit à petit. Hein. Ah, les moves que je fais avec mon paladin, ça marche pas avec, avec elle. Normalement je propulse contre les murs et après les gens tu peux leur faire une attaque, une grosse attaque gratuite. Mais là vu qu'elle fait un petit mouvement en arrière, ça marche pas. Et merde. Oulala. Voilà. Fallait pas jouer le barbeau. Pas de bruit. Mais vous êtes gentil hein. Sérieux, vous avez vu votre pote se faire bouler la gueule. Ah. Aïe. Aïe. Il fait si froid. Alors, toi, maintenant qu'on en a un V1. Tu saignes et tu meurs après. Bah allez, voilà, tu meurs. Non, moi j'ai pris tout ce qu'elle va prendre. Hein. Ouais, j'ai pris tout ce qu'elle va prendre déjà. Un petit peu de soin quand même. Il devait y avoir un meilleur moyen d'entrer que par la grande porte. Question de fierté. Ah oui, t'es un assassin ou tu l'es pas quoi.
Ça pour le coup c'est réaliste moi, tu vas pas rentrer par la grande porte en tant qu'assassin. Mais en même temps là, l'alerte est donnée depuis 3 plombs. Non 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 non. Voilà. Saignement plus flamme égale la mort. Mais il est pas mort encore ? J'aime bien cette sentinelle. Mais... Toi déjà tu meurs. Et toi vas-y, place un coup. Place un coup quand les gars. Hop. Voilà. T'as vu ? C'est comme ça on fait quand... Non, ça c'est la classe des assassins mais pour les barbares. C'est le berserker avec deux haches. Mais normalement on a les mêmes mouvements quoi. Quasiment. Parce qu'ils ont quand même quelques petites différences. En avant. J'avais une idée. Je ne m'attendais pas à entrer si facilement. Oulala, 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 faut vous calmer là. Faut calmer. Ah d'accord, on ferme la porte. Ah ah ah, tu veux jouer à ça? Aïe. Écoule-toi comme une vieille merde. Aïe. J'ai une idée. Oui t'as une idée, je sais que t'as une idée. Mais aussi ils ont une idée, c'est de te couper la tête. Vous savez quoi? Tiens, voilà, maintenant vous allez me taper, je m'en fous. Je ferme la porte. Je suis invulnérable pendant que vous me tapez. Voilà. Tranquille hein. Non mais fait, refaites votre ronde hein. Vous m'avez pas vu marcherait. Tiens poignardage. Tiens je te poignarde les couilles. Et encore à l'infini. T'aimes ça? Est-ce que t'aimes ça? Tiens t'en veux? Ah je suis fatigué. Je suis fatigué, sois zen. Aïe. Je dis sois zen enfoiré de merde. Voilà. Les Vikings adorent les banquets. J'avais peut-être moyen de les isoler. T'inquiète, on va les isoler, on va les découper. Tiens, tiens! Déjà la moitié de ta barre de vie qui est partie. Aïe! Ah merde! Aïe! Chut, je suis en infiltration, pas de bruit! C'est l'heure d'aller. Ah. Parle correct! On t'a dit, parle correct! Voilà. Leur machine, je ferais peut-être bien de l'actionner. Ça, ça, ça faudrait qu'ils le règlent, que les paroles arrêtent de se couper en plein milieu quoi. Leur machinerie dépassait largement ce à quoi je m'attendais. Depuis mon dernier passage, ils avaient acquis de nouvelles connaissances. Ou bien un mécanicien très habile. Là c'est mis dans un endroit fou pour être là quand qu'on fasse un assassin. Merde. Je voulais en profiter, elle était étourdie. Aïe. Aïe. Tiens. Faut pas jouer le barbeau. Non mais... Cette machine était fort ingénieuse. Mais le devoir m'appelait, à mon grand regret. C'est la porte de quoi elle parle en fait depuis tout à l'heure. Que se passerait-il si j'actionnais ce levier? Voyons voir ça tout de suite. Où est le mécanisme central? Mécanisme central, en haut.
Sauf erreur de ma part, il ne restait plus qu'à lever l'ascenseur et profiter du spectacle. Ah merde! Aïe! Fou! Ça faut le caler ce coup parce qu'il te fait très très mal. Voilà, chut, exactement. Ah merde! Ah c'est con hein! C'est con le roulicté pitsupita là! Plus qu'un dernier coup. Nananer! Putain, je joue le barbeau! Je baisse votre tour! Je nie votre maison! Voilà, ça c'est une vraie action d'assassin au moins. La destruction par l'intérieur. La voie est libre. Impressionnant. Ne l'encourage pas. Voilà. Donc ben là au moins vous avez de quoi visionner. Ouais, il manque toujours un élément observable dans chaque mission, ça me saoule. Ah, gagner un niveau. Mortifère, d'accord. Du coup, voilà, je vais vous laisser là-dessus. Je vous fais à tous des gros bisous. Je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo de For Honor. Je vais en faire une très vite derrière, vous inquiétez pas. Donc je vous fais des câlins, des bisous, et je vous dis à la prochaine. Bye bye tout le monde.